j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque si vous avez lu le titre, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un journal d'une lectrice, mais on va aujourd'hui parler des sagas en cours ou des sagas qui attendent dans notre pile à lire depuis des lustres. Voilà, on va vite entamer les sujets qui fâchent. J'ai ma pile à lire de sagas en cours et de sagas à débuter juste à côté de moi, et je dois vous avouer que ça fait peur. Je sais pas combien il y a de bouquins, j'ose même pas compter. Bref. Alors, comment m'est venue cette idée? J'ai regardé hier ou avant-hier une vidéo de la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Emilia. C'est un compte YouTube que je ne connaissais pas et que j'ai découvert via Instagram. Et dans cette vidéo, eh bien, Emilia présentait ses sagas en cours et les sagas qu'elle n'avait pas débutées. Et je me suis dit, mais je ne vous ai même pas parlé du challenge que j'ai créé, un mois, une saga. Je vous explique le principe, ça permettra donc d'introduire cette vidéo et vous y verrez donc du sens à cette petite vidéo. Le challenge un mois une saga a une petite histoire très très rapide. J'ai scanné en fait toute ma pile à lire il y a quelques mois de ça, je dirais un peu avant l'été, peut-être mai ou juin, et je me suis rendu compte que j'avais 118 livres dans ma pile à lire. Pour moi c'est énorme, donc pour certaines personnes c'est vraiment très très peu. Pour moi c'est énorme. Je crois que l'année dernière, avant de commencer l'aventure Charleston, j'étais à 60 ou 70 livres. Comment ces livres sont apparus dans ma pile à lire, moi j'ai envie de dire grand mystère. Je pense que voilà, il y a quelqu'un derrière mon dos qui doit ajouter des livres à ma pile à lire, parce que je ne vais jamais quasi en librairie. Voilà, ça reste un mystère, je ne veux pas l'éclaircir, mais je ne me sens pas responsable de tout ça. Bref, le constat était que j'avais 118 livres dans ma pile à lire et c'était quelque chose qui m'était assez mal à l'aise puisque ce n'est pas du tout en adéquation avec mes valeurs de consommation au quotidien. Et là, je me suis dit stop Manon, on va faire une pause, on va réfléchir un peu à comment faire diminuer cette pile à lire. J'ai donc créé un premier challenge cet été qui était « Fais fondre ta pale » où j'avais, je crois, proposé 8 catégories et donc il fallait essayer de faire entrer les livres de sa pile à lire dans une des catégories pour au moins diminuer sa pile à lire de 8 romans. Vous allez me dire que 8 romans sur 118, eh bien, c'est pas significatif et je suis bien d'accord, mais c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas que j'ai effectué, c'est de faire un gros tri dans ma pile à lire. Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai tendance au niveau de mes livres à tout garder, mais là je me suis allée, fais le tri, si le roman ne te convient plus, ne te plaît plus, alors ben, quitte-le, enfin, il faut t'en séparer, donc j'ai mis dans les boîtes à livres, je suis allée en librairie de seconde main pour les donner ou pour les vendre, enfin voilà, j'ai fait un grand tri, et le troisième pas que j'ai effectué, c'est de créer en fait un nouveau challenge qui est un mois, une saga, et qui est un challenge sur un an. Pourquoi? Parce que quand j'ai scanné en fait ma pile à lire, je me suis rendu compte que j'avais énormément de sagas en cours ou de sagas à débuter, et je me suis dit ça clairement c'est pas possible. Alors il faut savoir que moi quand j'adore une saga, je vais acheter tous les tomes qui paraissent au fur et à mesure, même si je n'en suis qu'au début de la saga. Par exemple les Détectives du Yorkshire, je ne sais plus combien ils comportent de tomes, mais je les ai tous, alors que je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Voilà. De manière générale, quand j'aime une saga, j'achète au fur et à mesure les parutions, alors que je ne suis pas à jour. Bref, voilà, c'est une petite manie qui va vite falloir que j'arrête. Bien évidemment que pour diminuer ma pile à lire, ou en tout cas pour ne pas la faire augmenter, j'ai décidé d'être en no buy entre guillemets, sans non plus mettre la pression, c'est juste acheter de manière un peu plus raisonnée et raisonnable, de réfléchir un peu plus avant d'acheter un livre. Donc je pense que là, depuis cet été, j'ai dû acheter, je pense, 4 livres depuis mai, je pense. Bref, là, dans cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est parler du challenge, donc un mois, une saga. Et donc, vous parlez bien de mes sagas en cours ou de mes sagas à débuter qui attendent dans ma pile. Voilà. Donc, un mois une saga, ça a débuté au mois de septembre et ça suit son cours jusque le 31 août 2024. C'est un challenge sur un an. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est de lire un tome de saga
par mois. Et attention, subtilité, il ne s'agit pas de commencer une saga, mais bien de poursuivre une saga. Donc les tomes 1 ne fonctionnent pas. Dixit, la nana qui a commencé des tomes 1 ce mois-ci, voilà. Mais ces tomes 1 ne comptent pas donc dans le challenge. Ça me permet quand même de faire diminuer ma pile à lire de manière parallèle, mais ça ne compte pas pour le challenge. Donc je vais vous présenter mes deux premières lectures que j'ai faites dans le cadre du challenge 1 mois une saga. Et je suis pas peu fière de ces deux premières lectures, sauf que je crois que j'ai un peu pris trop la confiance puisque j'ai lu ces deux, j'ai lu deux tomes de sagas différentes sur le mois de septembre en me disant c'est bon, je suis sur ma lancée. Sauf que là, on est le 16 octobre, je crois, et j'ai toujours pas lu de tomes d'une autre saga. Donc là, pour le mois d'octobre, bah, j'ai encore 15 jours pour lire un tome, mais bon, je ne désespère pas, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc pour le mois de septembre, je ne suis pas peu fière. Pourquoi ? Parce que j'ai lu deux tomes de deux sagas différentes et ces deux tomes m'ont permis de clôturer les deux sagas. Et ça, pour moi, c'est quand même une petite victoire. Alors, j'ai terminé la saga Blackwater en lisant le tome 6. Donc Blackwater, c'est une saga qui a été écrite, il me semble, dans les années 90, si je ne dis pas de... 80, pardon. Dans les années 80, par Michael McDowell, et qui a été réédité chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, je pense qu'il y a un ou deux ans, peut-être même, maintenant. C'est une saga qui a donc 6 tomes et qui allie différents genres, comme la saga familiale, le fantastique, un peu d'horreur, un peu de suspense. Enfin voilà, ça, il n'y a pas vraiment de genre prédéfini, selon moi. C'est, je pense, une saga avec qui ça passe ou ça casse complètement. Moi, clairement, ça s'est très très bien passé. Je ne suis pas du tout déçue par la fin, puisque j'avais quand même lu des retours très très mitigés. Pour moi, la fin clôture cette saga de la même manière qu'elle s'est ouverte, en fait, qu'elle a débuté. Je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment pour moi des lectures un peu doudou, entre deux grosses pavasses, parce que ça se lit assez vite. C'est des romans en moyenne de 250 pages, c'est assez fluide. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé suivre la famille Casquet, et si vous avez terminé cette saga, eh bien si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Mais en tout cas, je suis contente déjà d'avoir terminé cette saga, même si ça a été un peu difficile pour moi du coup de quitter Perdido, de savoir que je n'allais plus revoir la famille Casquet. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir évoluer les personnages au cours des 6 tomes. Et en fait, pour moi, c'était une lecture un peu facile. Donc ouais, ça me rendait bien service, entre guillemets, de lire un Blackwater entre deux petites briques. J'ai également lu au mois de septembre L'île du diable de Nicolas Beuglé. Donc ça, c'est une trilogie, c'est Complot, Le cri et L'île du diable. Et là, pareil, ben, c'était une saga un peu chouchou. Alors, pas du tout facile à lire, pas comme Blackwater. Les deux premiers tomes sont des grosses bricasses de à peu près, je pense, 400-500 pages, peut-être même plus, je ne sais plus. C'est un polar thriller. À chaque fois, en fait, Nicolas Beuglé a le don. Donc, on va suivre, en fait, l'inspectrice Sarah Gerrigan. Ça se passe dans les pays nordiques. Alors, où exactement, je ne sais plus. Là, c'est Norvège, voilà. Donc on va suivre l'inspectrice Sarah Gerrigan au cours de ces 3 tomes et on va s'y attacher à cette inspectrice. Moi, je pense que c'est devenu mon inspectrice préférée, clairement. Et donc je trouve l'originalité de la plume de Nicolas Beuglé, elle est dans le fait qu'il va partir d'une scène de crime qui semble très très personnelle. Et il va dézoomer, et encore dézoomer, et encore dézoomer. Et donc, du coup, vous allez avoir accès à différents dénouements au fur et à mesure où vous dites « Mais c'est bon, là, en fait, on peut clôturer l'enquête. » Mais en fait, non. Vous voyez qu'il vous reste 300 pages à lire. Donc, vous savez très bien que l'enquête n'est pas clôturée. Et au fur et à mesure, on va arriver sur des faits historiques, sur des faits sociétaux ou des faits scientifiques qui vont un petit peu remettre en question vos certitudes et les vérités que vous pensez acquises. Vous allez parfois vous sentir manipulé. Il faut savoir que tout ce qui est écrit en tant que faits sociétaux, scientifiques ou historiques sont des faits réels. C'est un auteur qui, je trouve, s'informe beaucoup avant d'écrire un roman. Et c'est là, en fait, je trouve l'atypie de ces thrillers polars. C'est que, oui, on passe un bon moment, certes, un bon moment face à des scènes de crime bien sanglantes.
Mais on apprend quand même beaucoup de choses. J'ai pas envie de vous dire quels sont les thèmes abordés, puisque je le vois souvent en fait écrit en chronique sur Instagram, de dire bah voilà, avec ce tome-là, on aborde tel thème. Et moi, je trouve que ça spoil en fait tout, clairement. Donc, je vous dirai pas les thèmes qui sont abordés dans les trois tomes, mais moi, je trouve que c'est du génie en fait de partir vraiment d'un individu et d'arriver sur la société pure. Voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé l'une des caractéristiques de la plume de Nicolas Beuglé, c'est également de proposer vraiment des cliffhangers de dingue à chaque fin de chapitre. Ces chapitres qui sont assez courts, et à chaque fin de chapitre vous dites mais non, je peux pas là m'arrêter, il va falloir que je lise un nouveau chapitre, et donc du coup il est 3h du matin. Et là, bien, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer puisque votre réveil sonne dans 3 heures et qu'entre-temps, votre enfant va se réveiller. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé, je crois, à la lecture du tome 1 ou du tome 2. Mais voilà, là, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce tome 3 parce qu'on part en fait du vécu de l'inspectrice Sarah Garrigan et de sa famille. Donc, c'est un tome où vraiment, on va mettre le projecteur sur l'inspectrice qui a été, pour moi, le personnage phare de cette trilogie. Et donc en ça, j'ai pris énormément de plaisir. Alors, c'est vrai que j'ai mis une petite chronique là sur Instagram et c'est pas souvent le tome préféré. Au contraire, on me disait, je suis un peu déçue, je le trouve moins abouti. Et je pense qu'en fait, là, l'objectif de l'auteur, c'était pas forcément de parler en long, en large et en travers d'un fait sociétal ou autre. C'était vraiment de mettre en lumière son inspectrice phare. Et ça, je trouve qu'il l'a fait avec brio, même s'il arrive finalement à intégrer des informations beaucoup plus générales et qui font encore une fois froid dans le dos. Bref, j'avais dit que j'arrêtais, que je ne vous parlais pas des résumés, etc. Donc je vais m'arrêter là pour cette saga-là. Mais en tout cas, voilà, au mois de septembre, pour le 1 mois, une saga, j'ai réussi à finir 2 sagas en cours. Et donc là, je suis pas peu fière de moi. Sauf que comme je vous le disais, on est le 15 octobre et le 15 ou 16, je ne sais plus. Et je n'ai toujours pas choisi quelle saga j'allais poursuivre. Alors, à la base, avec Lauriane Cocon Littéraire, on devait lire le tome 4 des Détectives du Yorkshire, donc je vais vous en parler tout de suite, sauf que on avait d'autres lectures communes programmées, et c'était des services de presse, donc il faut bien évidemment privilégier les services de presse plutôt que les lectures personnelles pour être dans les temps, entre guillemets. Et donc voilà, on s'est dit, là, on va être trop en retard, donc on la met de côté et on la sortira, sauf que c'est une lecture de printemps et que du coup, là, on rentre dans l'automne et qu'on sera plus trop raccord sur les saisons. Bref, passons, c'est un détail. Tout ça pour vous dire qu'à la base, je devais lire le tome 4 des Détectives Yorkshire, Yorkshire, vous le dites comme vous voulez, de Julia Chapman. Alors là, ça, c'est ma saga Cozy Mystery chouchou. C'est ma saga Cozy Mystery préférée. Il n'y en a aucune pour l'instant qui a réussi à la détrôner, alors que je vais vous en présenter énormément de sagas de Cozy Mystery là dans ma pile à lire. Mais ça... C'est ma saga réconfort, clairement. Là, en plus, je suis en train de regarder, j'ai ma petite cheminée, là, j'ai le feu de cheminée qui crépite, j'ai une boisson chaude à côté de moi, j'ai un plaid sur moi, donc autant vous dire que là, je pourrais juste ouvrir ce quatrième tome et le commencer, parce que c'est ma saga réconfort, c'est une valeur sûre pour moi. Alors, je n'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes, mais clairement, ça a été un sans faute sur les 3 premiers tomes. Donc, je vous l'ai dit, c'est du Cozy Mystery. On est à Bruncliffe, on va suivre Delila et Samson, qui sont en fait 2 personnes. Donc, Bruncliffe, c'est vraiment un petit village. Il faut vous imaginer le petit village où il pleut, où c'est très verdoyant, où enfin, voilà, c'est une ambiance vraiment cosy, où on a envie de rester à l'intérieur et de se prendre une boisson chaude. Et donc, en fait, on va suivre dans ce petit village, de manière privilégiée, Samson et Delila, qui sont... un peu 2 anciens amis qui sont devenus un petit peu ennemis par rapport à des brouilles passées. À la base, en fait, Samson était dans un autre... Enfin, était parti, et là, il est de retour sur son petit village pour le plus grand déplaisir de Delila. Et ils vont devoir en plus cohabiter sur le plan professionnel, puisque l'un tient une agence de détective privé. On ne sait pas trop pourquoi Samson est revenu, mais on sent bien qu'il y a un lourd passé et que sur le plan professionnel, il y a eu un petit couac. Et puis, de l'autre côté, on a Delila qui, elle, tient une agence de rencontres.
Et du coup, les locaux de l'un et de l'autre sont l'un au-dessus de l'autre. Et donc, c'est assez rigolo puisqu'ils doivent, ils doivent un peu cohabiter. Et bien évidemment, eh bien, à chaque fois, il va y avoir un meurtre ou une disparition. Et ils vont devoir en fait s'unir pour pouvoir résoudre le mystère, résoudre l'enquête. J'adore le petit chien de Delila. Enfin, vraiment, j'adore tout. J'adore cette ambiance de village où tout se sait, où il y a plein de petites rumeurs. L'agence de rencontre amène aussi un petit côté humoristique. Enfin, voilà, moi, j'adore vraiment cette saga et je suis très, très, très attachée aux personnages de Samson et Delila, vous l'aurez compris. Donc, je ne peux que vous conseiller cette saga de Cozy Mystery si elle n'est pas commencée de votre côté. Je ne sais plus à combien de tomes on est. Alors là, c'est Rendez-vous avec le poison, mais vous avez... Rendez-vous avec le mystère, rendez-vous avec... Enfin voilà, à chaque fois c'est rendez-vous avec le et vous avez, je pense, 7, 8, peut-être même 9 tomes. Ouais, je l'adore et ça me fait penser que j'ai peut-être pas pris une autre saga de l'autrice. Non, je l'ai pas prise là. J'ai une autre saga de l'autrice, mais qui est en fait plutôt, je pense, une saga de roman contemporain qui n'est pas du tout du cozy mystery. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en fait, j'aime tellement la plume de l'autrice que je me suis dit, bah, achète l'autre saga. Donc, j'ai les deux premiers tomes, je pense, depuis, je sais pas, 3 ans au moins. Et je ne l'ai pas du tout commencé. Et je me suis dit, non, mais non, tant que tu n'es pas à jour sur la saga de Cozy Murder, tu ne commenceras pas l'autre saga, même si c'est un genre complètement différent. Voilà. On va enchaîner avec d'autres sagas de Cozy Mystery. Comme ça, ça sera à peu près cohérent. Je ne dis pas que toute ma vidéo sera très cohérente, mais... Voilà, je prends au fur et à mesure ce que j'ai sous le coude. Une saga où je suis à jour. Normal, elle est parue il y a quelques mois, donc c'est le début, c'est normal d'être à jour. Je l'ai pris au fur et à mesure puisque j'ai la chance de recevoir les tomes par les éditions du Cherche Midi. C'est les amateurs de romans policiers, qui est en fait une saga donc, de Cozy Murder, où on va suivre en fait... Alicia, il me semble. Oui, c'est ça. Alicia, en fait, dans le premier tome, a envie de créer un book club autour des romans policiers. Elle va créer ce book club et un des membres va disparaître. Et l'enquête va commencer, bien évidemment, à la suite de cette disparition. Et c'est les membres, en fait, du book club, puisque qui de mieux placé que des amateurs de romans policiers pour mener l'enquête ? C'est une saga de Cozy Murder qui fait énormément référence aux œuvres d'Agatha Christie, donc j'aime énormément. Et c'est vrai que dans le premier tome, alors on installe beaucoup les personnages, ça peut paraître un peu lent, mais moi ça ne m'a pas du tout dérangé. Dans ce second tome, eh bien on est sur le crime du SS Orient. Le SS Orient, c'est un navire en fait, hein, donc c'est une croisière, et bien évidemment il va y avoir des meurtres ou des disparitions pendant cette croisière. Donc on est sur un huis clos en pleine mer, c'est vraiment sympa. Il y a de nouveau des références à Agatha Christie, hein, c'est la caractéristique de cette saga. Et elle est écrite par C.A. Larmer, qui est né en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui écrit depuis une ferme délabrée située sur la côte est de l'Australie. Rien que ça, moi j'adore imaginer l'autrice qui est en train d'écrire dans son petit truc. Hein, voilà. Donc une saga Cozy Murder que j'apprécie énormément et pour laquelle je suis à jour. Il n'y en a pas beaucoup, donc je pavane un petit peu. Je suis également à jour sur cette saga de Cozy Murder. Et là, j'abuse de vous dire ça puisqu'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Et il est sorti, il me semble, le mois dernier. Donc voilà, j'ai pas de mérite. C'est Les Trois Dahlia. Donc c'est une saga de Cozy Murder écrite par Cathy Watson. Le premier tome, donc, c'est Meurtre à Aldermere House. Ici, pour vous la faire très très rapide... On va suivre en fait une convention, donc ça se passe dans un grand domaine, dans un grand manoir, c'est Aldermere House, qui est en fait l'ancien manoir d'une grande autrice de romans policiers. Comparé là un petit peu à Agatha Christie, parce que c'est le fond de la pensée de l'autrice, hein. Il y a encore une fois des références à Agatha Christie, mais beaucoup plus subtiles que dans les amateurs de romans policiers. Et donc, on va être à une convention dans ce manoir-là, en hommage, en fait, à cette autrice de grande renommée. À cette convention, il va y avoir à la fois des fans de l'autrice, mais il va y avoir également des acteurs et actrices qui ont incarné, en fait, le personnage phare de la saga, en fait, de la série policière écrite par l'autrice. Et bien, pareil, il va y avoir...
des disparitions, il va y avoir des meurtres. Et donc, les trois Dahlia, en fait, c'est les trois actrices qui ont ou qui vont incarner le personnage phare, pardon, de la série policière. Et elles vont devoir, même si elles sont très, très différentes, elles vont devoir s'allier les unes aux autres pour pouvoir résoudre le mystère, puisqu'on a bien l'impression que ce sont elles, à la base, les cibles de ces crimes. Que vous dire, c'est vraiment une ambiance à la Cluedo, à la Downton Abbey et à la Agatha Christie. On est vraiment dans un manoir énorme. Et si vous regardez un petit peu les premières pages, vous avez un petit plan. Vous voyez, à chaque fois du manoir. Et donc, c'est vachement sympa. On se croirait vraiment dans un Cluedo géant. L'ambiance, elle est cosy aussi. Alors, par contre, il y a quand même pas mal de longueur. Et c'est un cosy mystery qui est quand même assez long. Il fait 531 pages. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé les personnages. Mais pas de réel attachement. Et en plus, voilà, quand même pas mal de longueur. Mais l'ambiance est vraiment sympa. Encore du cozy murder, je peux vous présenter les enquêtes d'Anna Svensson. Alors à chaque fois, je vous ai pris le tome que j'ai, le prochain tome que je dois lire. Donc là, c'est pas le premier tome, ça c'est le tome 8. Le tome 9, soit il va sortir, soit il vient de sortir. Mais bon, voilà, du coup, je suis quasiment à jour, puisque celui-ci, je pense que je vais le lire très très prochainement. Et donc, il m'en restera un seul à lire pour être réellement à jour. Donc, les enquêtes d'Anna Svensson, c'est également une saga de cozy murder où on va suivre donc Anna Svensson qui est une pâtissière hors pair et qui détient en fait un café à Lake Eden. Que vous dire, Anna, c'est la petite nana sympa qui fait pas de vagues, qui est gentille avec tout le monde, qui offre gentiment des cookies, qui va à des œuvres de charité, enfin voilà, et qui habite près de l'une de ses sœurs et près de sa mère qui, elle, est complètement détestable. Et bizarrement, en fait, elle tombe toujours sur des cadavres, la pauvre, et elle adore enquêter. Donc voilà, elle fait ses petites enquêtes. Elle a un petit chat qui s'appelle Moche et qui a un sacré caractère et qui apporte une petite touche d'humour. Donc là, on n'est pas sur le coffee, on n'est pas sur le tea time, on est sur du café. On n'est pas en Angleterre ici. On est aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et c'est une saga en fait, qui a été écrite, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90. En tout cas, les premiers tomes. Et donc, du coup, on n'a pas Internet. On n'a pas... Enfin, voilà, c'est vraiment toujours du bouche à oreille. Il faut aller chez l'un ou chez l'autre pour avoir les informations. Enfin, moi, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Traduit de l'anglais États-Unis par Florian Vidal. Donc, effectivement, je pense que ça se passe aux États-Unis, si je dis pas de... Enfin, je pense pas dire de bêtises. Donc, voilà, c'est une saga que j'aime bien. Pareil, une saga un peu chouchou, enfin, cosy. Par contre, je trouve que parfois, il y a un petit peu des propos limites au niveau de... presque grossophobe en fait, ou au niveau de l'image de la femme, etc. Alors je pense qu'il faut remettre dans le contexte d'écriture, ça, c'est pas une saga des années 2000 ou 2020, c'est une saga des années, je pense, 90. Mais c'est vrai qu'il y a des passages où je me dis, voilà, parfois Anna, elle se questionne sur son poids pendant des heures et des heures. Elle va plutôt manger une carotte plutôt qu'un cookie pour ne pas grossir. Et ça, c'est des petits aspects qui me dérangent un peu. Mais qui n'entache pas non plus le plaisir de la lecture. Donc voilà, si vous souhaitez commencer une saga de cozy murder facile à lire, je pense que ça peut tout à fait vous plaire. En cozy murder, toujours, je suis au tome 2 des Dames de Marlowe, enquête de Robert Horowood. J'ai lu donc le premier tome à sa sortie. J'ai tout de suite acheté le deuxième quand il est sorti. Je ne l'ai pas encore lu. Là, le troisième vient de sortir, donc je ne suis pas non plus méga en retard dans la saga. Mais encore une fois, je ne suis pas quand même à jour. Dans ce cozy murder, on suit en fait Judith Potts, qui est une jeune retraitée qui est un peu farfelue, qui aime bien se baigner nue dans la Tamise, qui ne dit pas non à un whisky. Donc encore une fois, on n'est pas dans un tea time tout cosy, on est dans un truc un peu plus déjanté et Judith va enquêter avec deux de ses amis. Moi, le premier tome, j'avais vraiment adoré, c'est l'une de mes sagas cozy murder préférées.
pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, mais c'était vraiment dynamique, l'enquête était bien ficelée, le dénouement était à la hauteur de mes attentes, donc vraiment j'avais beaucoup aimé le premier tome, et d'ailleurs je sais même pas pourquoi le tome 2 est encore dans ma pile à lire, je pense que c'est un manque de temps, hein, me direz-vous, mais voilà, il fait quand même 400 pages, mais il va falloir bientôt que je le sorte. Une autre saga de Cozy Murder qui allie un petit peu Cozy Murder, je dirais presque historique, puisque c'est une enquête des sœurs Brontë. Donc j'ai lu le tome 1, je crois que c'était La mariée disparue il y a, je sais pas, 2 ans peut-être. Et donc là, c'est le tome 2, une enquête des sœurs Brontë, les eaux du diable. C'est une saga de Cozy Murder écrite par Bella Ellis, qui est une véritable fan des sœurs Brontë. Et ça se sent vraiment dans l'écriture. On a vraiment une description de 3 caractères complètement différents pour les sœurs. On a aussi une description vraiment très détaillée du frère Brontë. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, par contre, c'est un rythme assez lent. On est vraiment sur de l'observation, il faut vraiment vous imaginer une des sœurs un petit peu téméraire qui va faire le mur la nuit pour aller chercher des indices, qui va se mettre dans des situations un peu rocambolesques. Enfin, mais j'avais vraiment bien aimé l'ambiance, on est au 19e, hein, donc voilà. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance particulière que moi j'ai bien aimée. Là, le tome 2, il fait 340 pages, c'est écrit en tout petit, donc je pense que ça va pas aller très très vite à lire, donc c'est pas forcément le tome que je dois choisir pour ce mois-ci, puisque oui, en fait, en vous présentant tout ça, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir lire ce mois-ci pour continuer mon challenge. Alors, une autre saga de Cozy Murder que j'aime beaucoup, c'est une enquête de Lovedale Rider qui est écrite par Faith Martin, donc là, je sais pas, je crois que ça doit être le tome 3, et donc ça veut dire que j'ai lu les 2 premiers tomes, il me semble, ou quelque chose comme ça. Si, je crois que c'est le tome 3. Ah ben non, c'est le tome 4. Alors, j'ai peut-être pas lu le tome 3. Meurtre en coulisses, ça me dit rien. Je pense que je l'ai pas lu. Bref, c'est pas très grave. Je ne sais pas combien il y a de tomes. J'irai 7, 8, peut-être plus. J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas du tout à jour et que j'ai les 4 premiers tomes dans ma pile à lire. Donc là, je crois que je suis au tome 3. Dans ce Cozy Murder, c'est pas du tout un Cozy Murder contemporain puisqu'on est à Oxford dans les années 60 et donc ça vous crée tout de suite une ambiance, une atmosphère très typique de cette période-là et moi j'apprécie énormément. Le plus je trouve dans cette saga, c'est les personnages donc de Lovedale Rider. Donc on va suivre Trudy Lovedale et Clément Rider. Trudy Lovedale, c'est une policière qui est considérée vraiment comme stagiaire, qui de toute façon, comme elle est une femme, elle ne pourra pas évoluer. Et donc est vraiment considérée comme la dernière roue du carrosse. On lui fait faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, alors qu'en fait, c'est une femme super intelligente, qui a toutes les compétences pour résoudre n'importe quelle enquête. Et d'un autre côté, en fait, on va avoir Clément Rider. Alors, je ne sais plus ce que t'es son... C'était un médecin légiste, c'est ça avant, qui est devenu en fait coroner et les flics n'aiment pas trop travailler avec lui. Donc à chaque fois qu'il faut travailler avec lui, ils vont envoyer Trudy en fait et il va y avoir un binôme de choc. Il faut vraiment imaginer la jeune femme qui ne demande qu'à s'épanouir dans son travail et à prouver aux autres qu'elle a beaucoup de compétences et d'un autre côté Clément Rider qui est un petit peu un sage, un ancien très, très à l'écoute, qui a envie de transmettre ses connaissances. Et voilà, ça forme un binôme vraiment très attachant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette saga. Est-ce que les dénouements, est-ce que les enquêtes sont vraiment très différentes des autres Cozy Murder? Je vous dirais non. Mais la période, donc dans les années 60, le fait que le binôme fonctionne très très bien fait que c'est une saga que j'aime énormément. Ensuite, en Cozy Murder encore, j'ai la saga, c'est Les Meurtres Zen de Carsten Duss, qui est donc là c'est le tome 2 des Meurtres pour lâcher prise, qui est sorti il y a quasiment un an, je pense. Le premier tome, c'est Des Meurtres qui font du bien. Ah, c'était mars 2023, donc non, ça fait pas encore un an. Je suis en retard de 6 mois, ça va. Donc le premier tome, c'est Des Meurtres qui font du bien, qui est sorti en 2022, que j'avais lu à sa sortie. Alors Les Meurtres Zen, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un gars, alors je crois qu'à la base, il est avocat. C'est ça.
je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Björn Diemel. C'est ça, Björn Diemel, qui est à la base avocat, et en fait, c'est un gars un peu stressé, etc., par son travail, qui commence un peu à mal tourner, entre guillemets, et qui va tuer, mais en pleine conscience, et ça va le détendre, voilà. Donc c'est assez, c'est une saga qui est assez atypique, parce que vraiment, on a des notions de développement personnel tout au long du récit, et... il y a vraiment beaucoup, beaucoup de touches d'humour. Enfin, je me souviens que le premier tome, qui a vraiment des moments où j'ai explosé de rire, ça m'avait vraiment fait du bien. Après, je me souviens d'un passage où il y avait un peu de propos presque homophobes, et ça m'avait un petit peu percuté. Mais j'avais passé un très, très bon moment avec le premier tome, donc je continuerai cette saga de Cozy Murder avec plaisir. En Cozy Murder encore... Alors là, j'ai le tome 1 d'un Cozy Murder qui vient juste de paraître et que je dois lire avec Lauriane Cocon Littéraire, qui est un service presse qui m'a été envoyé par Robert Laffont. C'est pas n'importe quel Cozy Murder, puisque c'est un Cozy Murder qui a été écrit par Karine Pitocchi, qui est connue pour sa saga phare. Vous me voyez arriver avec la prochaine saga dont je vais vous parler. Qui est plutôt connu dans le genre en fait historique. Donc là, c'est son premier Cozy Murder, Cozy Christmas Mystery. Donc on va être sur une période de Noël. J'ai pas envie de lire le résumé, mais voilà, sachez qu'il y a cette saga là qui vient de sortir, qui attend gentiment dans ma pile à lire et qui est parue le 12 octobre. Donc vraiment, il y a 4-5 jours. Puisque je ne sais toujours pas exactement quand nous sommes. Hein, voilà, j'ai une petite désorientation temporelle, tout va bien. Pour une neuropsie, c'est normal, il faut le savoir. Ensuite, en Cozy Murder, je regarde hein, parce que j'en ai tellement plein. En Cozy Murder, que je n'ai pas encore débuté, il y a un temps pour le meurtre. Les enquêtes de Jessica Fletcher et John Land, paru chez City. Donc là, c'est le tome 1, bien sûr. Je ne sais pas combien il y a de tomes, parce que je ne me suis pas du tout intéressée à la saga. C'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mais il y a l'année de sa parution, puisque je l'ai eu en broché, donc 2021. Voilà, ça fait 2 ans qu'il traîne dans ma pile à lire. J'ai honte, mais c'est comme ça. Bon, voilà, j'ai pas besoin de vous faire le pitch. Vous voyez bien que c'est un hommage hein, à Jessica Fletcher, la célèbre reine du crime. Donc on est sur la série un peu arabesque. Voilà, une autre saga, vous allez dire, mais en fait, elle a que du cozy mystery dans sa pile à lire, mais pas du tout. Un cozy murder que j'ai pas encore lu non plus, c'est le Murder Club du jeudi de Richard Osman. Alors, à sa sortie en brochet, il me faisait super envie, mais je me suis dit, non Manon, t'as trop de sagas en cours, calme-toi. Et quand il est sorti en poche, eh bien, j'ai pas pu résister à l'acheter, sauf que il est sorti, j'ai même de la poussière dessus, quelle honte. Je vous disais, j'ai de la poussière sur mon livre, mais je suis en plein travaux dans mon entrée pour me créer une nouvelle bibliothèque dans une ancienne cheminée. Enfin, quand je dis « je », c'est pas moi qui fais ça, hein, c'est mon papa, comme d'habitude. Mais c'est pour ça qu'il y a de la poussière sur mes livres. C'est pas parce que je suis une femme sale qui ne nettoie pas. Bref, j'arrête de tergiverser. Donc, il est sorti en 2020 aux éditions du Masque. Il a dû donc sortir en 2021, je pense, en format poche, et il est toujours dans ma pile à lire, donc déception, hein, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas du tout en plus de quoi il parle, je ne sais plus, c'est juste que je me souviens que les couvertures m'avaient hypé, que j'en avais entendu beaucoup de bien, et donc je l'ai acheté quand c'est sorti en poche, mais je ne l'ai toujours pas lu. Une saga qui attend dans ma pile à lire depuis je ne sais pas combien de temps. C'est le tome 1 d'Amish Macbeth, donc c'est l'une des sagas phares de M.C. Beaton. Donc le tome 1, c'est Qui prend la mouche. Combien il y a de tomes, j'en sais strictement rien, je pense qu'il y en a au moins une vingtaine. Puisque j'avais vu, cette semaine, j'ai vu l'avis de vos livres en un clic sur Instagram du tome 16, il me semble. Donc bon, je ne serai jamais à jour sur cette saga, c'est sûr. J'avais commencé la saga Agatha Raisin lors de ma première grossesse où j'avais une lubie d'acheter tous les tomes. Donc je sais pas, à ce moment-là, il devait y avoir 25 tomes peut-être. J'ai une lubie d'acheter tous les tomes sur, euh,
sur le bon coin sans même en avoir lu un parce que j'aimais les couvertures, la nana complètement débile. Et pendant ma grossesse, j'ai dû lire les 10 premiers tomes, je pense en 10 jours, et puis en fait j'en ai eu marre, voilà, et je n'ai pas repris cette saga. Et j'ai vendu tous les tomes parce que je me suis dit, en fait, pour commencer dans le Cozy Murder, dans le Cozy Mystery, c'est vrai que c'est une bonne saga, mais maintenant, il y en a tellement qui s'offrent à nous que j'ai plus envie de continuer avec celle-ci parce qu'Agatha Raisin, j'avais aucun attachement, elle me saoulait plus qu'autre chose. Et bon, et en même temps, j'avais commandé, en même temps, sur le Bon Coin, là, je me souviens très bien, c'était un moment où les frais de port étaient gratuits, enfin, 99 centimes, etc. Donc, je me suis dit, dans les lots, il y avait également celui-ci. Donc, je me le suis pris. Donc, il prend la mouche. Si j'ai bien compris, ça se passe en Écosse. On va suivre un policier. Cette fois-ci, donc, normalement, les Cozy Murder, on est plutôt sur un civil qui tombe sur des cadavres et qui essaye de résoudre l'enquête de son côté, qui se met en danger, etc. Là, à voir, on est vraiment sur un policier. C'est ça. Un policier qui manque d'ambition professionnelle. Et effectivement, on est bien en Écosse. Donc, j'ai bien envie de le tenter, mais en fait, il ne va pas fonctionner pour mon challenge puisque c'est un tome 1. Mais c'est vrai qu'il aurait été rapide à lire puisqu'il fait 245 pages. N'hésitez pas à me dire, hein, d'ailleurs, s'il y a des sagas que vous avez commencées, des sagas que vous avez abandonnées, parce qu'on a le droit aussi d'abandonner. S'il y en a qui traînent également dans vos piles à lire, dites-moi un petit peu où vous en êtes, vous, dans toutes vos sagas, dans votre pile à lire. Une dernière, je pense, saga de Cozy Murder, oui, je pense que c'est la dernière. Une dernière saga de Cozy Murder que je n'ai pas commencé dans ma pile à lire, c'est L'Assassin du Train de Jessica Fellows. Donc, c'est les sœurs Mitford enquêtent. Ça se passe pendant l'entre-deux-guerres, puisque c'est en 1919. J'ai pas envie de lire plus que ça les résumés. Il faut juste savoir que j'ai les trois premiers tomes dans ma pile à lire et que je les ai achetés, je pense, quasiment tous les trois en même temps. Enfin voilà, ça n'a ni queue ni tête de toute façon. Hein. Si j'étais raisonnée au moment où j'ai commencé l'achat de mes sagas, ça se saurait. Je ne serais pas en train de vous faire une vidéo entière consacrée aux sagas. Je lis juste que Jessica Fellows est écrivaine et journaliste. Elle est la nièce du baron Julian Fellows, le créateur de la série à succès Downton Abbey. Voilà, j'ai bien hâte de commencer cette saga, mais je me suis dit que je la commencerai quand et seulement quand je serai à jour dans d'autres sagas. Donc oui, j'ai fini deux sagas avec Blackwater et avec Le Cri, Complot et l'Île du Diable, mais c'est pas encore suffisant pour commencer d'autres sagas, en sachant que j'en ai commencé d'autres entre-temps. J'ai commencé Cafe Engel de Dan Jacobs, que j'ai d'ailleurs terminé. Je vous la montre là, mais ça ne compte pas dans le challenge puisque c'est un tome 1. On est dans l'après-Seconde Guerre mondiale en Allemagne et on va suivre toute une famille qui a un café. Le café a, par je ne sais quel miracle, survécu à la guerre. Et donc, on va avoir le père qui va revenir de la guerre, on va avoir la fille qui essaie de maintenir le café à flot pendant tout ce temps, et puis on va avoir au fur et à mesure les gens qui vont revenir du front, enfin voilà. C'est un premier tome. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur, donc j'ai pas énormément pris de plaisir à ma lecture, mais je ne sais même plus pourquoi je vous en parle de ce... si, est-ce que je vous ai dit que j'avais commencé des nouvelles sagas et donc du coup je ne commencerai pas tout de suite les sœurs Mitford enquête. Bref, tout ça pour vous dire qu'il existe également cette saga-là qui vient de paraître chez HarperCollins pour leur nouvelle collection qui est Au gré du monde et qui a pour objectif, vous l'aurez compris, de vous faire voyager. En série policière, on va dire, on n'est plus dans du cozy murder, j'ai commencé Poulet grillé de Sophie Naff, qui est l'une de mes sagas de polar préférées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur du polar très 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 gentil. Ça pourrait presque s'apparenter à du cozy murder. En fait, on va avoir une brigade de policiers qui sont un peu mis au placard parce qu'il y en a un qui est alcoolodépendant, parce que l'autre a d'autres addictions, par exemple des soucis de jeu d'argent. Bref, ils sont tous relégués au placard et on peut pas les virer, donc on fabrique une sorte de brigade qui ne sert plus à rien. On leur demande juste de se pointer dans tel bureau tous les jours et point barre, on leur demande strictement rien, sauf que eux,
ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, du coup, ils se sont dit, ben, puisqu'on est là, autant travailler. Et donc, du coup, ils vont ouvrir en fait des cartons où il y a des affaires qui ont été classées sans suite. Et ils vont, avec leur méthode très 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 douteuse, essayer de résoudre certaines enquêtes. Et en fait, c'est un truc super sérieux pour eux. Et les enquêtes sont vraiment bien menées. Alors oui, ils ont des méthodes pas du tout orthodoxes, mais moi j'adore, je suis vraiment très attachée aux différents personnages. Et le premier tome, c'est Poulet grillé. Le deuxième, c'est Rester groupé, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et ça, c'est le troisième tome, donc Art et décès. Et c'est vrai que c'est une saga, une série que je ne vois quasiment pas passer sur les réseaux, et ça m'étonne beaucoup, parce que clairement, moi, j'adore. Elle fait 300 pages. Là, ce troisième tome, il fait 300 pages. C'est peut-être encore un peu trop pour que je le poursuive ce mois-ci. Bref. Non, je vais peut-être faire ça. J'ai lu le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Alors en fait, j'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge de cet auteur. J'avais envie de vomir toutes les 10 pages tellement c'était gore, tellement c'était sanglant. Et je me suis dit non, mais en fait, c'est pas possible d'aimer cet auteur-là. Et en même temps, bah, c'est un auteur qui habite à 5 minutes de chez mes parents. Et c'est pas que je suis un peu chauvine, mais quand même, j'aimerais bien aimer les auteurs locaux qui sont quand même connus sur le plan national. C'est quand même dommage de pas aimer les auteurs qui habitent près de chez vous. Et donc du coup, j'ai arrêté cette série-là avec son inspecteur phare. Et j'avais entendu énormément de bien. Alors je pense qu'à la base c'était une duologie, mais qui est devenue une trilogie, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le manuscrit inachevé, il était deux fois. Et je crois qu'il y a un troisième tome. Alors je dis peut-être des bêtises, vous me corrigerez si c'est le cas. Mais en tout cas, bon, j'intègre un peu cette duologie ou trilogie, j'en sais rien, à cette vidéo-là. Mais c'est un polar qui se lit, c'est un thriller, pardon, qui se lit quasiment d'une traite. Alors on peut pas parce qu'il fait plus de 600 pages, c'est quand même une petite brique, même si ça se voit pas. Mais j'ai adoré et ça m'a vraiment réconciliée avec la plume de l'auteur et ça m'a fait comprendre l'engouement qu'on pouvait trouver autour de Franck Tillier. On est mené en bateau du début à la fin, on se pose 50 milliards de questions et même la dernière phrase, si vous ne décodez pas le message qu'il y a derrière, a une signification. Mais alors si vous décodez le message qu'il y a derrière, enfin si vous ne décodez pas le message, vous êtes en mode il peut pas nous laisser comme ça en fait, c'est pas possible. Et quand vous décodez le message, là, vous dites mais non. Bref, c'est un tome que j'ai énormément aimé, donc il faudrait que je me procure le deuxième tome. Encore une fois, je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. Mais je me procurerai le deuxième tome quand j'aurai vraiment envie de le lire. Parce que interdiction d'augmenter la pile à lire, vous vous souvenez. Bref, en polar, thriller encore, j'ai Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Alors là, je l'avais acheté en février l'année dernière, le 12 février 2023. Puisque l'autrice était venue dans ma petite ville. J'ai eu un événement littéraire près de chez moi, enfin dans ma ville, centré sur les romans policiers. Et j'étais contente de voir Jérôme Loubry, de voir Johanna Gustafsson, il y avait Max Monnehé. Donc c'était l'occasion d'acheter certains des romans de ces auteurs. Et donc j'ai acheté donc Bloc 46 de Johanna Gustafsson, qui est, je pense, il me semble, le premier tome d'une trilogie. Et on est sur une double temporalité avec un fond historique quand même de Seconde Guerre mondiale. Je le lirai pas tout de suite, déjà parce que j'ai pas commencé la saga, mais aussi parce que j'ai enchaîné les romans historiques là depuis avril, je crois, avec mon partenariat, enfin en tant que lectrice Charleston, j'ai dû enchaîner les romans historiques. J'avais fait bien une pause pendant l'été. Et puis là, j'ai dû m'y remettre pour des services de presse, donc j'adore. Je ne vais pas du tout me plaindre, bien au contraire. Mais là, je pense que je suis en train de faire une petite overdose de romans historiques et ça pourrait me créer une panne de lecture. Donc voilà, pour plusieurs raisons, je ne commencerai pas cette saga tout de suite, mais elle est dans ma pile à lire. Enfin, au niveau roman policier, après, promis, on change de genre. J'ai L'ombre de la menace de Rachel Kane qui m'a été offert par Marie-Lucioline Books pour mon anniversaire, en sachant que je suis née le 29 octobre. Elle me l'a offert donc il y a quasiment 2 ans. Honte à moi de l'avoir encore dans ma pile à lire. Voilà.
Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'avec Lauriane du compte Cocon Littéraire, on a créé un Read Together. C'est parce que je fais ça parce qu'à chaque fois Lauriane rit quand je le dis, parce que je sais que j'ai un accent anglais complètement pourri. Bref, le Read Together, c'est quoi? C'est en fait des lectures communes un peu géantes qu'on propose une fois par mois. On vous propose 3 livres. Vous sélectionnez le livre que vous préférez. Le livre qui reçoit, qui récolte le plus de votes est sélectionné. Et donc, du coup, derrière, on crée un Discord et on lit tous ensemble. Là, je crois qu'on était, plus de 60, je crois, à faire la lecture commune pour le premier mois. C'était vraiment sympa. C'était sur l'orpheline de Foundling de Stacy Halls. Et donc là, pour novembre, on a fait une sélection autour des polars, des polars psychologiques, des thrillers psychologiques. Et dans les 3 livres sélectionnés, il y a L'ombre de la menace de Rachel Kane, parce qu'il était dans ma pile à lire, et que clairement, ça fait 2 ans qu'il est dans ma pile à lire, et qu'il faudrait que je le sorte, mais pas dans le cadre du challenge Un mois, une saga, puisque je vous le rappelle, on n'a pas le droit de commencer une saga dans ce challenge. Bref. On arrête les romans cozy murder, polar, thriller, stop, on arrête tout ça et on va changer de genre, on va aller sur du roman historique cette fois-ci. J'ai le tome 2 et le tome 3 des Filles de la Villa aux Étoffes dans ma pile à lire, donc il y a une saga historique de Dan Jacobs. Si je dis pas de bêtises, dans le premier tome, on est dans la Première Guerre mondiale, on est vraiment en Première Guerre mondiale. On est avec Marie, il me semble, qui est orpheline et qui va arriver dans la famille Melzer en tant que cuisinière peut-être, en tout cas en tant que domestique. Et la famille Melzer, c'est une grande famille de commerçants en textile. Et on va être vraiment sur une ambiance à Downton Abbey avec les grandes demeures, avec une dichotomie, une section entre les sous-sols très sombres avec les domestiques et puis les étages très très lumineux, très lumineux, très grandioses, donc avec la haute société. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je me souviens que je l'avais sorti avec beaucoup d'appréhension. Et là, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. Dans le tome 2, on est en 1916. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. On est toujours en Allemagne. Et je suis tombée sur le ticket de caisse tout à l'heure en faisant ma pile de saga. J'ai acheté ce tome en octobre 2021. Donc, en fait, là, je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de sagas qui restent dans ma pile à lire depuis 2021. C'est une année, je ne sais pas, où j'ai eu des frénésies d'achat, je ne sais pas. En saga historique, j'ai encore également à lire le tome 3 des heures incertaines de Karen Pitocki, qui est le tome 3 des rêves de nos mères. Je vous explique dans quel contexte j'ai ce tome 3. En tant que lectrice Charleston, on devait lire ce tome 3 en lecture optionnelle. Pourquoi optionnel ? Puisqu'il s'agit d'un tome 3 et que si nous n'avions pas lu les 2 premiers tomes, on n'était pas obligé de le lire. Au même moment, on a eu le tome 3 des Héritières de Leveneuf à lire. Et ce tome 3, par contre, était considéré comme obligatoire puisque, selon Emmeline, il pouvait se lire indépendamment des tomes 1 et 2 pour les Héritières de Leveneuf. Sauf que les Héritières de Leveneuf me donnaient très 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 envie et je savais que si je lisais le tome 3, je ne lirais plus les tomes 1 et 2. Donc j'essaie de lire en parallèle, parce que ces deux épreuves non corrigées sont arrivées en même temps, j'essaie de lire en parallèle les tomes 1 et 2 des Héritières de Leveneuf et les tomes 1 et 2 des Rêves de nos mères de Karen Pitocki. Autant vous dire que je n'ai pas réussi à suivre le rythme. J'ai réussi à lire les tomes 1 et 2 à temps des Héritières de Leveneuf pour bien lire le tome 3 dans les temps en tant qu'épreuve non corrigée Charleston. Donc les Héritières de Leveneuf, c'est une saga que j'ai terminée. Par contre, j'ai eu le temps de lire les tomes 1 et de Karen Pitocki, mais j'ai pas eu le temps de lire le tome 3, donc celui qu'on devait lire de manière optionnelle dans le cas d'Electric Charleston. C'est pas grave, c'est un tome 3 qui est dans ma pile à lire, donc depuis quelques mois, qui me fait très très envie. Hein, c'est Karen Pitocki, est-ce que je la présente? Je pense pas avoir besoin de le faire. Est-ce que je présente sa saga? Je ne pense pas avoir besoin de le faire, donc on va vite passer, mais voilà, c'est une saga historique qui me,
qui me plaît énormément. Et donc, j'ai hâte de lire le tome 3. Dans le tome 1, on était vraiment sur une histoire d'amour impossible entre une personne de la haute société et un grand bandit. Voilà. Et dans le tome 2, on est vraiment au sein de la Première Guerre mondiale. Et là, on est en 1919, donc voilà, on évolue un petit peu, on évolue dans le temps, mais c'est une saga vraiment très 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 prenante que je ne peux que vous conseiller. J'essaye de plus faire dans le détail pour clôturer un peu cette vidéo, parce que sinon on va pas en finir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai des sagas qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc bon. J'ai bien évidemment la saga des sept sœurs dans ma pile à lire. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à la voir. À moins que vous soyez déjà à jour ou alors que vous n'avez pas du tout succombé au succès de Lucinda Riley. Mais voilà, moi je suis au tome du coup 5. J'ai lu les 4 premiers tomes. Alors Lucinda Riley, j'adore, hein, les sept sœurs, j'adore. Sauf qu'à chaque fois, c'est des pavasses de... Là, c'est 850 pages, voilà, voilà. Donc il faut prendre le temps de les lire et je trouve que voilà, c'est donc Lucinda Riley, c'est quand même la reine de la double temporalité, donc il y a un contexte historique historique à maîtriser entre guillemets. Il faut vraiment s'immerger dans les deux temporalités, c'est très riche. C'est aussi beaucoup de voyages, c'est une saga familiale. Enfin, pour refaire le pitch, on a un riche héritier qui vient de décéder et il avait adopté 7 sœurs au coin du monde. Et à sa mort, il laisse un courrier à chacune d'entre elles, une lettre à chacune d'entre elles, dans laquelle il explique d'où elles viennent et si elles ont envie d'aller sur la recherche de leurs origines, eh bien, elles ont toutes les clés en main pour savoir d'où elles viennent. Et donc, voilà, dans le premier tome, par exemple, on part à Rio de Janeiro et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à chaque tome, on visite une période historique différente, on visite un pays différent, on a une histoire personnelle de la sœur concernée qui est différente, donc c'est vraiment une immersion. C'est très bien écrit, c'est super fluide, mais quand même à chaque fois il faut se gober 800 pages, donc on peut pas le faire n'importe quand. Et comme c'est une saga que j'aime bien, j'ai à cœur de m'y pencher quand vraiment j'ai le temps, ce qui n'est pas le cas forcément en ce moment, et c'est pas, voilà, je vous l'ai dit, là j'ai eu une overdose un peu de romans historiques, donc c'est pas forcément la saga que je vais poursuivre tout de suite, mais en tout cas je prends plaisir à avancer à mon rythme. Là, il y a le dernier tome qui a été écrit en partie par le fils de Lucinda Riley qui vient de sortir aux éditions Charleston. Ça a d'ailleurs été un grand événement mondial puisque la sortie s'est faite le même jour à la même heure dans le monde entier. Il y a eu un gros événement qui a été proposé sur Paris. Et là, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais à la Christmas party de Charleston, qui est, il me semble, le 2 ou le 3 décembre à Paris, il y aura le fils de Lucinda Riley qui sera présent pour dédicacer les romans de sa mère ou le roman que lui a écrit, enfin le dernier tome que lui a écrit. Bref, si vous êtes fan de Lucinda Riley, sachez que son fils sera présent donc à Paris. C'est une grande première. C'est la première fois qu'il est présent en France, donc peut-être que cette information peut vous intéresser. Encore 4 sagas à vous présenter, et promis, après j'ai terminé, j'ose même pas compter combien de sagas j'ai en cours. J'ai lu le premier tome d'Hunger Games de Suzanne Collins. Merci Lauriane de Cocon Littéraire de m'avoir fait succomber à cette saga. Oui, je suis une grosse ignarde, je n'avais jamais lu Hunger Games, je n'avais jamais vu la série. À la base, c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais j'essaye de m'ouvrir au fur et à mesure. Et c'est vrai que Lauriane, je suis toujours ses avis, les yeux fermés. Et un jour, je lui ai dit, mais s'il te plaît, conseille-moi une lecture addictive où clairement, tu sais que ce sera un sans-faute pour moi. Elle connaît tellement bien mon univers que j'avais aucun doute sur ses recommandations. Et j'avais plutôt demandé à la base du fantasy, la fantasy ou du fantastique. Et en fait, elle m'a dit, bah, écoute, déjà, tu vas commencer par lire Hunger Games et après, on rediscutera, toi et moi. C'était assez clair, il fallait que je lise Hunger Games avant de pouvoir continuer nos échanges. Je me suis procuré le premier tome. On est en fait ici dans une dystopie où on est sur la création en fait d'un jeu télévisé sur les ruines des États-Unis suite comme moyen de répression suite à des anciennes révoltes en fait du peuple.
Et ben voilà, Hunger Games, je pense que j'ai pas besoin de vous traduire ce que ça veut dire, et on va découvrir dans cette saga Katniss, qui est une héroïne pour moi juste emblématique. Enfin voilà, je pense que maintenant ça fait partie de mes héroïnes préférées. Elle est tellement forte, elle arrive à se détacher de ses émotions pour prendre les bonnes décisions. Enfin voilà. Donc une dystopie que j'aime énormément, alors que c'est pas du tout mon genre, mais enfin voilà, je pense pas avoir besoin de vous résumer la saga, puisque je pense être la dernière à ne pas l'avoir lue, ou en tout cas à ne pas m'y être intéressée. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé. Là, je viens de regarder le premier épisode de la série en série télé. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, je me suis remémoré mon moment de lecture et j'ai trouvé ça vraiment addictif. Enfin, je m'étais dit, allez, c'est un épisode qui dure quand même 2 heures, je regarde jamais la télé. Faut vraiment vous dire que la télé, je sais à peine l'utiliser parce qu'il faut passer par la box, etc. Bref. Et là, je me suis allée, vas-y, regarde 1 heure. Et en fait, j'ai pas su m'arrêter alors que l'épisode faisait 2h15, je crois. Donc, ça retranscrit vraiment bien le côté addictif que j'avais ressenti à la lecture. Et donc, du coup, ça me donne envie de poursuivre cette saga. Sauf que je n'ai pas dans ma pile à lire et que j'essaye de rester dans mes objectifs d'acheter le moins de livres possible. Donc, voilà, je me réfrène. Donc, ensuite, une autre saga que j'ai en cours, il s'agit des McCoy d'Alexian Till, qui est une saga de New Romance. Alors là, c'est pas Lauriane qui m'a influencée, alors qu'elle influence, je pense, aujourd'hui 80% de mes lectures. C'est Laura, Les mots des autres, que je ne vous présente plus, qui m'avait offert ça. Alors, je sais plus quand elle me l'a offert, parce qu'on se fait quand même assez fréquemment des colis l'une l'autre. Elle me l'avait peut-être offert pour mon anniversaire. C'est possible l'année dernière, ou je ne sais plus. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais bref, elle me l'avait offert dans un colis, elle m'avait dit en gros, bah voilà, maintenant t'as plus le choix, tu vas devoir redécouvrir les McCoy. Et là, j'étais là en mode, mais purée, c'est de la new romance, c'est vraiment pas mon truc, je déteste la romance, enfin, c'est vraiment pas un truc qui me botte. Et elle m'avait dit, mais si, fais-moi confiance, etc. Et du coup, je me souviens, j'avais pris le tome 1 comme lecture de mon temps de repos le midi au travail, en me disant, allez Manon, au pire, tu lis ça 20 minutes par jour, ça fera l'affaire. Et je pense qu'au bout du deuxième ou troisième jour, j'ai repris libre à la maison parce que j'ai adoré ma lecture. Alors il y a une scène dans le tome 1 où clairement j'étais pas ok avec ce qui se passait et j'en ai beaucoup discuté avec Laura parce qu'elle se souvenait plus trop de cette scène où pour moi il y a un problème au niveau du consentement. Et du coup ça m'a attristée en fait de pouvoir lire encore ça dans certains romans. Je sais pas du tout si vous connaissez la saga, mais c'est voilà, on est en Écosse et on imagine que les clans en fait ne sont pas abolis et que ben voilà, les clans existent encore et il va y avoir en gros des guerres de clans avec de l'amour autour de tout ça. Mais voilà, c'est pas qu'une saga de romance, je trouve. J'avais vraiment vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je vous dis, pour le retransférer du boulot à chez moi pour le lire, je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours. Et j'avais tellement aimé, j'avais dit à Laura, non mais en fait, ça me saoule parce que là, t'as tiré dans le mille. J'adore. Et elle m'avait fait la surprise de m'offrir le tome 2. Je crois genre une semaine après, je lui avais dit, mais j'adore, j'ai trop envie de lire le tome 2, mais je l'ai pas dans ma pile à lire. Et en gros, j'ai trouvé le tome 3 et 4. Sur Vinted, et je sais pas, 2 ou 3 jours après, je recevais le tome 2 dans ma boîte aux lettres, et elle m'a dit, bah voilà, maintenant t'as plus d'excuses, sauf que, bah en fait, ce tome 2, il est encore dans ma pile à lire, et là, j'ai honte, parce que je sais plus combien de temps ça fait, 1 an, peut-être plus, qu'il est dans ma pile à lire, et là, clairement, c'est le nombre de pages qui me freine un petit peu, il fait plus de 700 pages, même si je sais que, voilà, ça se lit très bien, parce que j'ai lu le premier sans problème. Mais vraiment, avec l'aventure Charleston, j'ai lu énormément de pavés. Et là, j'ai encore lu un pavé avec le Café Engel. Et là, en fait, j'ai vraiment besoin de livres fluides qui font aller 300 pages, format poche, qui se lisent bien, pour avoir l'impression d'avancer dans mes lectures. Et donc voilà, je la reprendrai pas tout de suite, cette saga, mais je sais que j'aurai plaisir à y retourner bientôt. Ensuite, je le considère comme une saga, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Le tome 1, c'est Les souvenirs de Ferdinand Top. Ce tome 1, je l'ai terminé le mois dernier, donc il ne comptera pas dans un mois une saga. Mais j'avais à cœur de le terminer. Je l'avais commencé après l'événement littéraire sur Paris
je ne sais plus quand c'était, au mois de mai peut-être, mai-juin. Salon du livre de Paris, voilà, c'est un salon du livre que je cherchais tout à l'heure, un salon du livre dans ma ville, ouais, bref. Donc du coup, j'avais rencontré l'auteur au salon du livre de Paris. Je vous en avais beaucoup parlé dans un de mes vlogs parce que j'avais été très touchée par cette rencontre. C'est un homme en fait qui était neuropsychologue comme moi, donc des neuropsychologues, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. C'est un métier qui n'est pas encore très très répandu. Et on a parlé en fait de nos valeurs de soins au départ, sans même savoir l'un et l'autre qu'on était neuropsychologue. Et on était tous les deux neuropsychologues en centre mémoire, donc pour les personnes. J'ai même pas envie de dire personnes âgées parce que je vois des gens qui ont 50 ans en fait et qui ont déjà une maladie d'Alzheimer, donc voilà, en tout cas des personnes qui potentiellement peuvent présenter une pathologie neurodégénérative. Et on avait tellement la même sensibilité, on avait tellement les mêmes valeurs de soins que ça a été un moment magique. Et on a pu discuter de pourquoi lui il a quitté le monde du soin et pourquoi moi j'avais aussi envie de le quitter, mais j'avais pas encore la force dont il a fait preuve et le courage dont il a fait preuve pour partir de ce monde qui vous ronge petit à petit quand vous êtes un soignant avec des valeurs ancrées. Et bref, je vais pas m'étendre, mais ça avait été un moment vraiment hors du temps. Je crois que c'est une rencontre dont je me souviendrai toute ma vie. Et si un jour je trouve les ressources et le courage pour changer d'horizon professionnel, je pense que je penserai beaucoup à lui à ce moment-là. Bref, dans cette saga, on va découvrir en fait le village, enfin la forêt de Belle-Écorce. Il faut vous imaginer vraiment un monde où les humains n'existent pas, il n'y a que les animaux et qui sont les personnages principaux donc de cette série. On est dans une forêt presque enchantée, on est dans un univers presque onirique. Et on va suivre en fait ici Ferdinand Top qui a perdu la mémoire et qui va donc chez son libraire ici, Archibald, donc il tient une librairie en fait. Et Archibald, dans sa librairie, il y a un rayon des mémoires en fait des villageois de Belle-Écorce. Ces mémoires, ils ont été écrits par les villageois eux-mêmes et il en existe un seul exemplaire. Et donc quand la maladie de l'oubli tout vous atteint, vous pouvez normalement aller chercher vos mémoires pour les relire. Sauf que là, quelqu'un a acheté les mémoires de Ferdinand Top et donc ils partent tous les deux à la recherche en fait de ce livre qui est cher aux yeux de Ferdinand Top pour retracer un petit peu son vécu, puisqu'il a en tête en fait Maud Top et il ne sait plus exactement qui elle est, où elle se trouve, etc. Et donc on va au fur et à mesure de leur périple prendre connaissance de l'histoire de Ferdinand Top et on prend conscience à quel point un animal qui a vécu, donc une personne, quand on personnifie les choses, une personne qui a vécu, eh bien, beaucoup de choses à raconter. On n'est pas suffisamment à l'écoute de nos aînés, de ce qu'ils ont pu vivre, de leur expérience, de tout ce qu'ils ont pu apprendre, etc. Ici, on va surtout aborder, donc, vous l'avez compris, la thématique de la maladie d'Alzheimer, de manière assez légère, mais quand même profonde. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de pathos dans ce livre. C'est plutôt un roman jeunesse, mais qui se lit de 9 ans à 99 ans, qui est tout public pour moi. Donc on va parler de la maladie d'Alzheimer et on va aussi surtout parler du proche aidant, de celui qui accompagne la personne qui a une maladie d'Alzheimer, de l'attitude et du comportement à avoir, en tout cas à essayer d'adopter, pour mieux comprendre aussi les symptômes de cette maladie d'Alzheimer, de cette inversion des rythmes nyctéméra, donc l'inversion du rythme des cycles veille-sommeil, cette désorientation temporelle, ces confusions, ces moments de confusion qui arrivent. Bref, c'est très très beau. Alors, moi en tant que neuropsy, bien évidemment que je vois toute la toile de fond théorique, médicale, mais en fait, si vous n'êtes pas du tout du domaine, vous en apercevez même pas parce que c'est tellement poétique, c'est tellement beau que vous ne prêtez pas du tout attention en fait à toute la théorie qu'il peut y avoir derrière ce roman. Mais je pense que c'est un roman qui peut plaire à tous et que je confierai, je pense, beaucoup, enfin très facilement aux aidants de personnes qui présentent une pathologie neurodégénérative, ne serait-ce que pour leur faire comprendre en fait qu'ils ne sont pas seuls. Et comprendre un peu mieux les symptômes de la pathologie. Mais voilà, ça reste un roman jeunesse, hein, vraiment, c'est très très bien écrit, c'est très beau. Il y a des illustrations aussi de dingue hein, à l'intérieur. C'est très aéré, donc ça va très très vite à lire. Voilà, j'ai pas le tome 2 dans ma pile à lire, donc je ne l'achèterai pas tout de suite, vous l'avez compris.
Mais voilà, c'est une série que je vous conseille enfin les yeux fermés, sans problème. Et enfin, pour terminer, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, donc c'est La Faucheuse de Neil Schusterman. Merci Lauriane. Je l'ai acheté le mois dernier, je donnais cours à l'Université catholique de Lille le matin, et on s'est dit avec Lauriane, tiens, on va se retrouver le midi pour manger, puis on va faire un petit tour en librairie. Et bon, c'est moi qui ai insisté pour que Lauriane me fasse des recommandations. Et elle m'a recommandé une saga, voilà. Donc j'ai acheté un premier tome. Et là, je vous ai dit toute la vidéo, non, il ne faut plus que j'achète, nanana. Ben voilà, j'ai acheté un tome 1, je ne suis pas fière. On est encore sur quelque chose de dystopique, hein. Les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Alors, dystopie ou fantastique, j'en sais trop rien. C'est chez Pocket Jeunesse. Il fait 585 pages. C'est écrit tout petit. Là, je te déteste encore plus, Lauriane. Voilà, voilà. C'est une trilogie, si je me fie à la quatrième de couverture. Bon, elle avait adoré, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Je le lis le mois prochain avec la cousine de mon conjoint. Je me suis dit que voilà, c'était en programmant une lecture commune, ça me permettait de ne pas le faire traîner dans ma pile à lire. Voilà, je pense que j'en ai fini avec toutes les sagas. J'en ai peut-être quand même oublié dans ma bibliothèque, mais j'ai pas envie d'y retourner, j'ai trop peur. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sagas en cours. En fait, je rigole, mais c'est nerveux, je crois que j'ai envie de pleurer. Est-ce qu'on aura assez de toute une vie pour tout lire? La question, c'est non. Hein, mais déjà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai assez de toute une vie pour finir ma pile à lire? Voilà. Et moi, il y a quand même des jours où j'ai envie de fermer les yeux, de dire, allez, cette pile à lire n'existe plus et je repars de zéro. Mais non, hein, c'est pas ça le challenge. Je sais pas là combien je suis dans ma pile à lire. Je crois que je suis à 71, donc j'étais à 118 il y a quelques mois. Avec le challenge Fais fondre ta pâle, l'arrêt de mon aventure Charleston, puisque l'année est écoulée, le fait d'arrêter d'acheter le challenge Fais fondre ta pâle et le fait de me remettre là sur mon rythme de lecture, d'avoir fait un tri, voilà, passer de 118 à 71, c'est pas mal, mais mon objectif suprême, ça serait de passer en dessous de 50 pour la nouvelle année, et donc pour ça il faut que j'arrête d'acheter, et il faut pas qu'on m'offre de livres à mon anniversaire ou à Noël. Sauf que tous les ans, qu'est-ce que je demande à mon anniversaire et à Noël? Des livres, bien sûr. Donc là, il faudrait peut-être que j'aille sur des accessoires littéraires, genre les rondins de bois de senteurs de livres, etc. Ou des pochettes à livres, ou enfin bref, je m'égare complètement. Bref, vous l'aurez compris, c'est le bazar total dans ma bibliothèque. Mais peut-être que du coup, vous vous sentirez moins seul parce que vous êtes dans le même cas que moi. Si vous n'êtes pas dans le même cas que moi, vous pouvez également me le dire. Je vais pas mal le prendre. Ça va juste me booster pour diminuer encore ma pile à lire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous a plu. Je pense à vous tourner des petites vidéos un peu différentes. En plus des journaux d'une lectrice que je vais poursuivre. Là, je vais avoir un peu plus de temps prochainement. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parfois vous tourner des petites vidéos de, ma pile à lire du mois prochain, faire des petits bilans lecture, vous faire quelques recommandations sur des thématiques précises. Là, ça va être Noël, je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur les livres à offrir pour Noël, vous faire un bilan de l'année, enfin voilà. Ce genre de vidéo qui diffère un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de contenu peut vous plaire. Dites-moi également où vous en êtes dans votre pile à lire, au niveau de vos sagas. Est-ce que vous participez à mon challenge ou pas? Est-ce que vous en aviez connaissance ou pas? Est-ce que vous êtes... relax par rapport à votre pile à lire, ou est-ce qu'au contraire c'est le bazar dans votre tête comme moi? Bref, en tout cas, voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque je vais le redire, hein, la grosse relou, mais j'ai perdu ma première chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai qu'on en est à 50% des abonnés que j'avais sur mon ancienne chaîne. Et alors, c'est pas que ça m'embête, parce que clairement
aucun problème. Moi, ce que je privilégie, c'est vraiment l'échange, mais je me dis que peut-être y a encore des personnes qui n'ont pas capté le changement de chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en tout cas le contenu, ça me fera très plaisir et ça permettra de gagner encore un petit peu en visibilité. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment de la journée. Et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.